commencé di sacc na ay nak sacc ay ay xar ay beuy waye legui même boy ginar sa biir ne dañuy sacc ginar yi lele sa dañuy ñew ni ray ay nit sacc bu wi tour wi nek ci frontière bi wala bu nek ci forêt bi bi surik la bu la dajé ak paysan bi sa daf ci agressé dañuy doon ay sacc ka nek ay agresseur lu dafa doy wa ñu jël sama nak bi ñu mandaleen est ce que da ngeen yobbu nak yi ñu ne ma ñew bu nak yi bu defé bruit ci nek bi kenen ki taxo ci buntu bi mune kay mom nala re bo genn nala re après ñi ñi ki ko ñi ñi jël nak mune da ngeen yobbu sama nak ñun da ngeen yobbu sa nak satchum jurgi la bo xamni ni fi ci balanta kunda problème la bo xamné mu ngi jéggi deyu parce que ñi koy def ñu ngi joggé ci benen réew ñew ak arme di menacer borom jur yi di menacer sam kat yi di nangu lepp di yob légui amna ku né sax est ce que bu yagge du ñun ci suñu bop lañu yob bari na op na parce que lu bari moy lu tout tout mais té bo dégg li sacc na diw suba nga dégg dék sacc na diw bu suba nga bé dégg sacc na ci benen dék ginaaw suba nga dégg sacc na benen dék but lolu mom chaque jour là presque wa dañuy sonno ñun chaque fois dañuy xass dañuy né maire ligéw ñu fekk na ñu ngi suñu devoir ñu def suñu katane yépp ci ngir bi dafa gën installer insécurité renforcer pauvreté bi parce que ndol bi légg la gën am doole parce que même bo yoré sa ginaar sa biir nek dañuy ñew sacc ñi ñew dañuy yoray gannaay yo xamantene ñun mi sa flèche sa am ñu droit yor ko do sacc kat bu dama gannaay mom koku bayilu ken lu mu dajé kat dina ko ray wala mba mo sacc lu nga yor lolu mo vraiment lolu lañu déplorer sacc bi dafa yok pauvreté bi yok ndol bi yok insécurité bi fum nek ni kan ñoto ñi matul dem ci ala bi dula de 5 km bo fa rewé da nga dé jagg nit yo xamanté do xam ban genre nit la mbam mo agressé la mu réew la su yalla maye chance nga rëcc jafé jafé bu bari na fi lolu jafé jafé bu bari na fi gi kenen ki taw tamit dañu jël nagam yépp ak nag yi ndaw ak yi yobu nañu ko len lepp yobu nañu len lepp ah dañu ngi ñu yobu nañu comment vous expliquez-vous que depuis une dizaine d'années ou bien même plus aujourd'hui dans le Balanta Kunda on ne voit plus de bœufs, on ne voit plus de bétail, on ne voit plus de vaches parce que tout a été emporté. Birkama ici, chaque famille avait au moins une dizaine de bêtes. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Alors même pourtant, les populations ruminent ces difficultés, ruminent cette misère et ne disent rien. Alors qu'ailleurs, on entend des cris par-ci, par-là pour des problèmes X ou Y. Pourquoi ne pas regarder vers le Balanta Kunda, vers ces populations-là, parce qu'elles sont laissées à elles-mêmes. On a vu qu'auparavant, il y avait des cantonnements dans des zones comme Saliot, comme Bafata, comme Bantankuntu, comme Mane Kunda, Madinapel. Mais aujourd'hui, tout a été dégarni et les populations sont laissées à elles-mêmes. Les gens viennent armés de Kalashnikov qui font du razzia. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, maintenant ce ne sont plus de vols, mais ce sont des razzias. Partir pour récupérer ces bêtes, c'est bête. C'est un autre processus. C'est un autre problème. Le bonheur serait de ne pas les voir. Mais si vous les voyez, pour les récupérer, vous les rachetez encore aux mains de la police guinéenne. Je ne dis pas les voleurs même, mais c'est la police guinéenne, à la police guinéenne qu'il faut payer des rançons pour pouvoir ramener vos bêtes. Quand on a mis une déconne, c'est frontière, loin de la frontière. Ñu dal le dal ci cantonama yoyu pour ñu mëna dem liggéey mu né nek en paix bo gisé vol yi gëna sakane fi di gëna bari parce que village yi déplacé kenn nek bu do Allah ba kon suñu sécurité moy armée nek fi suñu wét police policier nek gouram peut-être yeneen village yi tam nek en sécurité man loolu la ñaan état mom pour mu jëma jappalé nit ñi mu jëma xamné ñun dañ fi liggéey pour mom dañ fi nek ay maire pour représenter ko parce que population ñun lañu xass def ñu li def ñu la yeen deg ngeen ko kon tay dañu soxla ñooñu ñu andi ñu cantonnement yoyu